favor. Bueno, damos comezo a segunda ponencia da sesión matutina, da sesión de mañá, e contamos hoxe unha figura ben coñecida por todos os presentes, coido, o profesor Jacques Henard, que, digamos, marcou os últimos 30 anos en Europa un fito fundamental na, non só na configuración e na teorización do propio museo, senón no desenvolvemento das prácticas museolóxicas e fundamentalmente museográficas que desenvolveu a través deso que foi etiquetado como museoloxía da ruptura. De alguna maneira, eu decía ao comezo que a intervención de Antón Bamonde e a ponencia de Antón Bamonde e a ponencia de Jacques Henard teñen un certo enlace, aínda que desde, lóxicamente, postulados, experiencias e enfoques diferentes, no sentido do cuestionamento non somente do museo como ámbito da comunicación, senón do museo como lugar no que se teñen que lanzar unhas mensaxes contrastadas, unhas verdades indiscutibles, senón que o museo pode e debe ser un lugar para o encontro, para un encontro polifónico, no sentido de que si as coleccións de moitos museos son polifónicas, como el plantexa, tamén os discursos deben serlo, deben ser polifónicos, tendo en conta que non somente deben recoller a posición do museólogo, a posición do guionista, do autor que él propugna, sino tamén a reacción, a emoción, o impacto que as exposicións producen no visitante, no usuario, no espectador. Entón, desde ese punto de vista, ese traballo coa escenografía, esa teatralización ou dramatización do museo, partindo da reflexión de que nesa experiencia sociodramática ou teatral que se produce na exposición e no contacto co público, é onde se poden producir, digamos, os debates, os disensos os asentimentos dos que falaba Antón Bamonde, pues, evidentemente ten producido na museoloxía contemporánea europea unha fonda reflexión. Entón digo que temos a fortuna de contar con Jacques Henard para que de alguna maneira nos, desde a súa longa perspectiva e evolución, eses 26 anos que estivo ao frente do Museo Etnográfico de Neuchâtel e eses 3 anos que estivo tamén no Museo de Genève, en Ginebra, máis o seu traballo actual que sigue, digamos, operador da masa crítica que o mundo dos museos e o mundo do patrimonio cultural proporciona, pois, evidentemente, constitúe, digamos, para nós unha tremenda sorte poderlo ter en Santiago de Compostela. Por lo tanto, xa voulle ceder a palabra pues, para que faga a súa intervención, a súa ponencia, e como na intervención anterior non haberá preguntas nin interpelacións, senón que todo o deixaremos para o debate conxunto da segunda parte da mañán, tanto co primeiro ponente como con el mesmo. Entón, agradecéndolle a súa presencia e que aceptara o convite do Consello Galego de Museos, pasolle xa a palabra ao profesor Jacques Henard para que pronuncie a súa ponencia. Merci. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous apporter le salut de la Suisse, qui, vous le savez, est un pays qui se veut neutre, mais ce ne sera pas mon cas en ce qui concerne les musées et la muséologie.
Bueno, moitas grazas. Quixera transmitirlles un saúdo no nome da Suíza. Bueno, saben que é un país distinto bueno, ao noso, pero, bueno, neste caso, en canto aos museos e a museoloxía, non vai ser o meu caso, non me vou centrar no país. Alors, je vais essayer de vous parler de généralité sur les musées, bien sûr, et vous montrer comment, au cours de ma carrière, finalement, j'ai construit mon propre regard. Voulez-vous parler de généralités sur les musées et voulez-vous tratar de mostrar también como au long de ma carrière, tenho construído a minha propia olhada. Mon souci, c'est de réfléchir sur la manière dont je pense et la manière dont je parle. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faudrait que les visiteurs de musées puissent avoir en tête quand ils sortent et se poser deux questions. Pourquoi je pense comme je pense et pourquoi je dis ce que je dis. A miña preocupación é reflexionar sobre a maneira, a miña maneira de pensar e de falar, é o que tamén quero que teñan en mente os visitantes dos museos. Quero que cando saian do museo se fagan dúas preguntas, por que eu penso como penso e por que eu digo o que digo. Je vous conseille quand même de ne pas faire ça toute la journée, parce que vous irez certainement finir dans une clinique psychiatrique. Mais de temps en temps, c'est nécessaire et c'est très bon. Aconsello-lhes que non o fagan todo o día, porque senón rematarían un psiquiátrico, pero de cando en vez, sí é positivo. Alors, je vais commencer par faire un dessin. Moi, j'aime faire des dessins. Et je vais vous montrer, vous donner d'abord la toile de fond, hein, le décor dans lequel je réfléchis. C'est très simple, vous verrez. Vou comezar facendo un debuxo, a min gustame moito debuxar, e voulles debuxar un pano de fondo no que se encadrará a maneira que teño de reflexionar. Alors, j'ai besoin de me poser la question des origines humaines. Bueno, zero. C'est où, je ne sais pas. Zero, hein? C'est le début de l'histoire des hommes, et puis aujourd'hui, on est le 25... septembre 2013. Bueno, voilà. Preciso facerme a pregunta das orixes da humanidade, o cero é o inicio do home, da humanidade, perdón, e o día de hoxe, o 25 de setembro de 2013. Alors, j'ai besoin de deux dates. Preciso dúas datas, polo tanto. 1492 et 1850. Et 1850. Et con iso abonda. Alors, 1492, vous vous rappelez tout ce que c'est? 1492, tout le monde sait ce que c'est. Christophe Colomb se trabuca de direction. Et à top à Amérique. C'est fondamental dans l'histoire occidentale. Donc tout ce que je dis, il faut que je précise encore, c'est un regard qui vient de l'Occident. Je ne sais pas très bien où ça se finit, mais c'est ça. Je porte un regard occidental sur l'histoire humaine. Isto é algo fundamental na historia, pero tamén devo precisar que a miña ollada é unha ollada precisamente que vende de Occidente. Alors, ça me permet d'avoir le monde d'avant, et puis après. Isso permite meter o mundo de antes, dessa data, e o mundo de depois. Parce que on peut commencer à construire les savoirs sur lesquels nous réfléchissons toujours aujourd'hui, qui ont été corrigés, mais fondamentalement pas changés. Porque iso nos permite empezar a construir o saber sobre o cal reflexionamos ainda hoxe en día, que ten sido corrixido, pero que no esencial non cambiou. On va savoir enfin sur quelle terre on vit. La terre tourne, n'est-ce pas?
Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de construire toute notre réflexion scientifique et philosophique par la suite sur ce modèle de la Terre qui tourne. Galilée, hein, il a bien compris ce que ça voulait dire que d'affirmer cela puisqu'on l'a emprisonné. Et isto vai nos permitir tamén comprender cal é a terra na que vivimos, unha terra que non é plana, senón que é redonda, xira, e a partir de iso se edificou todas as nosas o noso coñecemento científico e filosófico, a terra que xira, como pensou o Galileo, aínda que pagou por iso, non? Il a dû évidemment renoncer à. Il a été jugé, il a dû dire non, c'est pas vrai, mais quand il est sorti, vous vous rappelez, il a dit et pourtant elle tourne. N'est-ce pas? Tivo que renunciar a esa mesma afirmación que el fixera, foi xulgado por iso, foi condenado, pero cando saiu, pois dixo que ainda así a terra se movía. Alors, après se construisent les savoirs scientifiques, hein, biologiques, histoire naturelle, histoire de l'art, avec des musées, les Lumières, le XVIIIe siècle, etc. Et si j'ai besoin de cette deuxième date de 1850, c'est le début de l'anthropologie, de l'ethnologie, comme science, comme discipline. Logo foronse construindo os saberes científicos, a Idade das Luces, os museos tamén. Ese preciso esta segunda data de 1850 porque cando xurdiron a antropoloxía e máis a etnoloxía en tanto que disciplinas científicas. Alors, vous voyez, les ethnologues, quand ils démarrent, regardent les autres sociétés avec le concept de sauvage. C'est des sauvages, les autres. Hein? Les sauvages. Os etnólogos, cando empezaron, ollaban as outras sociedades, aos demais, co concepto de salvaxe. Vos son de salvaxes, os demais son salvaxes. Ils sont proches, ils sont bizarres, mais il y a une proximité, quand même, dans la relation. Eran xente que non se metaba rara, que non era como a nos, pero cando menos había unha proximidade na relación. Et alors, quand l'ethnologie démarre, on met un autre point zéro. Et on invente les primitifs. Les primitifs. En noir, en bleu, les primitifs. Et quand empieza l'ethnologie, marquamos autre point zéro, entón inventamos os primitivos. On les repousse loin dans le temps. Botámoslos máis para atrás no tempo. E tout en haut d'échelle, c'est nous. E no alto da escala estamos nós. Les occidentaux. Os occidentais. Les meilleurs. Os mellores. Ceux qui pensent juste. Ceux qui pensent bien. Os que pensaban. Ceux qui croient juste. Os que se creían xustos. Donc, ces primitifs, il faut aller les aider. Il faut aller les conseiller, il faut aller les soutenir. Et c'est ainsi qu'on invente le colonialisme. N'est-ce pas? Por lo tanto, estes primitivos cumpría axudalos, aconsellalos, apoyalos, e así foi como inventamos o colonialismo. Donc c'est bien normal d'aller coloniser les autres, parce qu'on leur apporte notre savoir-faire, notre talent, nos compétences, Por lo tanto, é algo normal ir colonizar os outros porque xa chegamos a nosa pericia, a noso talento, as nosas competencias. E eu ne suis pas sûr, si on réfléchit aujourd'hui, c'est pas là tout à fait la même chose, mais c'est fort semblable. On a toujours cette attitude. Se pensamos a día de hoxe, eu non sei, non estou moi certo de que se xa o mesmo, pero segue habendo moitas similitudes. J'ai travaillé dans la fondation du Musée International de la Croix-Rouge à Genève. Eu traballei na fundación da Cruz Vermella Internacional en Genebra. Et j'ai vu que l'aide humanitaire, c'est des chasses gardées. E vin que a axuda humanitaria eran caixas gardadas. C'est moi qui suis au Soudan, c'est moi qui suis en République centrafricaine, c'est moi qui suis en Syrie, mais vous ne venez pas dans mon réseau, c'est à moi.
C'est mes pauvres, mes prisonniers, mes malades, mes invalides, etc. Estaban compartimentadas en pequenos reductos. Eu axudo o Sudán, eu a República Centroafricana, eu a Siria, pero fago eu e ti non entras no meu reducto. Alors l'ethnologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente évidemment des courants. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours d'anthropologie, mais il y a l'évolution, évolutionnisme, hein, donc les strates, les primitifs, et puis on vient à la culture à travers l'évolution. E o que fai a etnoloxía é inventar correntes. Primeiro o evolucionismo, están os primitivos, empieza a arrancar e iso nos conduce á evolución. Diffusion, fonctionnalisme, pour ceux qui connaissent cela, hein, c'est Malinowski, culture et fonctionnalité avec Marguerite Mead, le structuralisme avec Claude Lévi-Strauss, et puis on vient ensuite à l'écologie, et puis aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a plus de courant, c'est fini. On mélange tout et on regarde tout de loin, de près. On n'a plus de limites extra-européens, européens, on mélange tout. On regarde, on se regarde de la même façon qu'on regardait les primitifs et les sauvages. Logo estaba o difusionismo, o funcionalismo con Malinowski, a cultura, a funcionalidade, o estruturalismo de Lévi-Strauss, a ecoloxía, e hoxe temos unha especie de popurrí de todo, xa non hai correntes, miramos todo de perto, de lonxe, todo mesturado, e mirámonos a nós mesmos tamén da mesma maneira que antes mirábamos aos outros. Alors, maintenant, arrêtons-nous là et regardons arriver les musées, notamment les musées d'ethnographie, n'est-ce pas, qui vont s'inscrire dans cette perspective. Et à Neuchâtel, par exemple, le musée d'ethnographie a été créé en 1904. E logo chegamos ao Museo de Etnografía, que se inscribe nesta mesma perspectiva. Por exemplo, en Neuchâtel, o Museo de Etnología creouse en 1904. Alors, ce qui était intéressant pour les nations qui avaient des colonies, c'est qu'on pouvait ramener des objets en quantité dans les musées. O interesante para as nacións que tiñan colonias era que podían traer os objetos en grandes cantidades para os museos. Tandis que les Suisses, ils n'avaient pas de colonie. Donc, le premier directeur du musée d'ethnographie, il se plaignait beaucoup en disant « nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de colonie, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des objets ethnographiques. » Suiza non tiña colonias, por lo tanto, o primeiro director do Museo de Etnoloxía laiábase moito de non teren colonias, por lo tanto, non teren tantas posibilidades de traer objetos para os museos. Alors, vous voyez, le paradoxe, c'est non seulement d'aller chez les autres pour les aider, hein, à travers le colonialisme, mais c'est de prendre leur culture matérielle pour la rapporter chez nous. O paradoxo non é precisamente querer ir nun principio axudar aos outros a través do colonialismo, pero ir en realidade collerlles a súa cultura material para traerla a nosa casa. Ce qui pose évidemment aujourd'hui, mais on va pas débattre ça maintenant, mais c'est le grand problème du patrimoine culturel. À qui quoi? Est-ce qu'il faut rendre des choses? Comment faut-il le faire? Qu'est-ce qu'il faut restituer? Donc on est dans une politique extrêmement complexe, à la fois culturelle, mais c'est éminemment politique. Parce que voulez-vous rendre en Afrique? La notion de musée n'est pas une notion partagée dans la culture africaine. Donc vous pouvez rendre tout ce que vous voulez, les élites d'aujourd'hui ne savent peut-être pas exactement quoi en faire. Por lo tanto, iso nos leva, nos pon en riba da mesa a cuestión do patrimonio cultural. Que é o que hai que devolver e a quen hai que devolver? É unha cuestión tanto cultural como política, porque non existe, por exemplo, en África a mesma noción do museo, non é compartida por parte das élites africanas. En parte non sabrían que facer con eses objetos devoltos, non terían a mesma idea que a nosa.
C'est pourquoi je me suis posé la question quand je suis arrivé à la tête du musée de Neuchâtel en 1980. Pourquoi est-ce que les Neuchâtelois conservent la culture africaine? Les Touaregs, l'Angola, notamment, on a de très grandes collections, hein, des collections qui sont même reconnues mondialement, et puis on collectionne aussi l'Océanie à Neuchâtel, et les Esquimaux, les Inuits. À quoi ça sert? Entón, eu planteime a cuestión cando pasei a estar á fronte do Museo de Neuchâtel en 1980, por que os habitantes de Neuchâtel conservan toda esta cultura africana? Temos un importante patrimonio da cultura Tuareg, de Angola, tamén moi importante, reconhecido mundialmente mesmo, tamén de Oceanía, dos esquimais, dos esquimós, dos inuits. Para que serve isto? Alors, face à cette question, j'ai essayé de réfléchir en me disant il faut peut-être, avec ces collections, raconter des histoires plutôt que de regarder les objets les uns à côté des autres. Entón, eu tentei reflexionar, se cadra o que fai falla é contar historias con eses objetos, no canto de limitarnos a miralos os uns ao lado dos outros. E les expositions que je connaissais le mieux, c'était des expositions que j'appelle de juxtaposition. On met un masque, un masque, un masque, un masque, un masque. As exposicións que eu coñecía mellor eran as que eu chamaba exposicións de juxtaposición. Poñese unha máscara, outra e outra e outra. Et puis, on écrit dessous masque. E en riba escribíamos máscara. Masque, máscara, máscara. Micro. Microfono. Ça, c'est les expositions de juxtaposition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est très dur à supporter. Esas son as exposicións de juxtaposición. Non digo que non haxa que facelas, pero poden ser un pouco tediosas. Alors, à partir de là, on a fait des essais. Hein? On a dit, on va tout mélanger. En ethnographie, on prend tout. Tout ce qu'on trouve et on raconte une histoire. Faire une exposition, c'est choisir un sujet et raconter une histoire. Un début et une fin. Voilà. Ça, c'est une exposition pour moi. Logo, bueno, fomos probando, tratamos de mesturar, collémolo todo, tratamos de contar unha historia. Collemos un tema e tratamos de elaborar a partir del, de contar unha historia. Alors, pour mélanger tous les objets, nous n'avions rien à Neuchâtel de notre société. E para mesturar todos os objetos, en Neuchâtel non tiñamos nada da nosa propia sociedade. Alors, on allait acheter dans les magasins des objets du quotidien pour raconter l'histoire. Polo tanto, fomos ás tendas mercar objetos da vida cotiá para contar historias. Mais, jusqu'en 1984, je vais vous montrer quelques images, c'est une exposition qui a 30 ans, ça, mais c'était pour moi un événement, hein, parce que, qu'est-ce qu'on faisait quand l'exposition était terminée? On jetait les objets de notre société à la poubelle. Pero en 1974, bueno, foi un acontecemento comenzar a facer isto, pero que acontecía cando remataba a exposición? Pois tirábamos ao lixo os objetos da nosa sociedade. Pois c'était pas des objets de musée, c'était pas de l'ethnographie classique, enfin, je ne sais pas pourquoi on faisait ça. C'était absurde, mais enfin, 4 ans, mon ami, avant de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Tirábamolos porque non eran objetos do museo, non eran parte da etnografía clásica, pero foi o que fixemos durante 4 anos, tirálos unha vez rematada a exposición. Entón, bueno, chegamos a pensar, pero que estamos facendo? Alors, j'ai décrété, puisque j'ai le pouvoir como director, j'ai décrété que tous les objets qui désormais entraient dans le musée avaient le même traitement. Avait la même considération.
Entón eu decretei, porque eu tiña o poder, en tanto que director do museo, que todos os objetos que entrasen a partir de agora no museo tivesen o mesmo tratamento, a mesma consideración. Ça, c'était un événement terrible. Tout le monde a dit, Enard, il est fou, hein? Va bien, l'hôpital, bientôt. Foi algo terrible, todo o mundo me dixo que estaba, que Enard estaba tolo, que había que internarlo. Parce que, vous voyez, le conservateur qui décrit un très beau masque Chokwe d'Angola, hein, et qui tout à coup se trouve à dire la même chose avec une boîte de sardines. Porque, por exemplo, o conservador describe unha máscara de, que procede de Angola, un objeto de arte moi valioso, que de súpeto se atopa a carón sendo o mesmo que unha caixa de sardines. On voit que c'est très difficile de décrire les objets de notre société comme les autres parce qu'on a des présupposés. On pense que ça, ça ne se dit pas. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. Et là, on a découvert vraiment tous nos présupposés et toute notre vision culturelle sur les objets, sur les musées. Et ça, ça a été un très grand événement pour la politique muséale et pour faire ce que j'ai appelé de la muséologie de la rupture, c'est bête. Mais dire ça, on ne fait pas forcément, mais on raconte des histoires, c'est ça. On mélange tout, puis on a un concept et on essaye de dire quelque chose. É difícil describir os xetos da nosa sociedade, tal como describíamos os xetos dos outros, e iso nos conduciu a unha das presuposicións que tiñamos. E iso levou a un cambio na política museística e deu lugar ao que chamaríamos a museoloxía da ruptura, que, bueno, trataríase de construir, de mesturar todo e de contar historias a partir disso. Alors, ce que je dois préciser quand même, hein, pour ne pas être trop iconoclaste, il faut dire que un bon musée, pour moi, un musée intéressant, il doit avoir trois types d'expositions. Para non sermos demasiado iconoclastas, hai que dicir que un bon museo, na miña opinión, ten que ter tres tipos de exposicións. Une exposition de synthèse, unha exposición de síntese, qui raconte les histoires, que conte historias, une exposition de référence, unha exposición de referencia, qui raconte des collections qui montrent des objets précieux, importants dans l'institution. Que amose coleccións, que mostre a referencia que teña coleccións, que amose objetos importantes, preciosos, no museo. Et le troisième espace, c'est un espace que j'appellerais pour les expositions ponctuelles. E o terceiro espacio é un que eu chamaría para exposicións puntuais, específicas. Vous avez un événement politique, économique, artistique, je ne sais quoi, qui arrive, il faudrait qu'en quelques jours, on puisse construire un décor pour lancer le débat et discuter avec le public. Temos un acontecemento político, económico ou artístico, o que sexa, é preciso que poidamos en poucos días construir un decorado para iniciar o debate. Parce que, je vais dire quelque chose de terrible, mais je crois que c'est vrai. Le public, on dit toujours, il faut répondre aux attentes du public. Vou dicir algo terrible, pero que na miña opinión é certo. Dice que o público, que sempre hai que responder ás expectativas do público. Et moi, je suis sûr que le public, il n'attend rien du tout. Eu estou seguro de que o público non espera nada en absoluto. C'est pourquoi il faut lui proposer. Por iso hai que propoñerlle. Des problématiques de tout genre à travers des expositions et après les gens se mettent à discuter en disant c'est scandaleux, c'est pas possible ou bien c'est beau, c'est pas beau et ça c'est le vrai débat. Hai que poñerlle problemáticas ao público que inciten ao debate, que a xente saia dicindo isto é un escándalo, isto é moi bonito, isto non pode ser, e iso que dá orixe ao debate.
Je crois que c'est ça la vraie force du musée, la vraie force de notre patrimoine, la vraie force de nos collections, c'est de les mettre en discussion, vraiment. Isso creo que é a verdadeira força dos nossos museus, do nosso patrimônio, é de lançar este tipo de debates. Alors évidemment, dans cette perspective, et je m'arrêterai là, après je vous montrerai quelques images pour illustrer mon propos, je dirais que je suis vraiment fondamentalement pour une culture qui doit être le plus possible payée par l'État. Evidentemente, para que o vexan en perspectiva, vou lles amosar algunhas imaxes que amosen esta proposición que eu fago, pero devo dicir que eu estou a favor dunha cultura que, no fundamental, debe ser pagada polo Estado. Parce que, d'une manière générale, l'État, culturellement, pour moi, c'est la liberté. Porque, dunha forma xeral, o Estado, para min, culturalmente, é a liberdade. Parce que les musées qui sont sponsorisés par le privé, c'est difficile de dire vraiment ce qu'on a envie de dire. Porque nos museos que están patrocinados pola iniciativa privada é difícil dicir o que un quere dicir. Nos collègues français au musée de la Villette ont fait une exposition sur le lait. Sur le lait. Le lait. Sí, os nosos colegas franceses fixeron unha exposición sobre o leite, quixeron fazer unha exposición sobre o leite. Payé par Danone. Pagada por Danone. Y non pas pu dire un mot de ce qu'il voulait dire. E non puderon dicir ninguna palabra do que querían dicir. Parce que Danone contrôlait le discours. Porque Danone controlaba o discurso. C'est un exemple parmi d'autres. É un exemplo entre moitos outros. Et ça, c'est important. E iso é importante. Donc, les grands sponsors, c'est ceux qui donnent de l'argent et qui permettent qu'on les critique. Porque os grandes patrocinadores son os que poñen os cartos e os que teñen ese control sobre a crítica. Voilà quelques éléments forts, mais je crois que ce que je vous dis là, c'est la réflexion de quand même près de 40 ans d'activité dans les musées. Et il faut le dire, il faut essayer de le faire. C'est pas facile, parce que la censure, elle est là. Bueno, son algúns elementos de reflexión, pero coido que isto que lles digo é o produto de 40 anos de experiencia. Et avant les images, une dernière anecdote. J'ai accepté, lorsque j'étais directeur du musée d'ethnographie de Genève, d'être le commissaire à Paris d'une exposition à la cité de l'immigration qui s'appelait 1931. Bueno, antes de mostrarlle as imaxes, quero contarlle unha última anécdota. Eu, bueno, fui un comisario dunha exposición en París, aceptei ser comisario dunha exposición sobre a cidade da inmigración 1931. Sí, chamada 1931. Dernière exposition coloniale à Paris. Que foi a derradeira exposición colonial que houve en París. Sarkozy au pouvoir. Con Sarkozy no poder. Hortefeux, ministre de l'immigration. Con señor Hortefeux, que era ministro de inmigración. Eh bien, je suis resté jusqu'au bout. Eu quedei hasta o final. Mais je n'ai rien pu faire de ce que je voulais faire. Pero non puiden facer nada do que quería facer. Je n'ai rien pu dire de ce que je voulais dire. Non puiden dicir nada do que quería dicir. Et je n'ai rien pu publier de ce que j'avais écrit. E non puiden publicar nada do que tiña escrito. On me disait, mais Enard, c'est trop compliqué, c'est trop sofistiqué. Dicíame, pero Enard, vostede é moi complicado, é demasiado sofisticado. Jusqu'au jour où je me suis fâché. Ata o día que me enfadei con eles. Et on s'est réuni en privé. Reunímonos en privado. Et j'ai dit, c'est une affaire politique. Eu dixen, isto é unha cuestión política. Et le ministre m'a dit, oui, monsieur. E o ministro dixo, sí, claro. Et voilà, l'expérience était faite. Bueno, pero así é como foi. Alors, voyons un document. Imos ver un documento. Qui date de 30 ans. Que ten xa 30 anos. Et c'est vieux, mais c'est là qu'on a changé, qu'on a commencé à s'interroger, comme je vous l'ai dit, sur tous les présupposés
qui nous anime quand on fait de la muséologie, quand on dirige un musée. È un documento già antico, però del 1974, però foi un momento no que empezamos a cuestionarnos as presuposicións que tiñemos a hora de facer museoloxía. Objet pretexte, objet manipulé. Objetos pretextos, objetos manipulados. On entre dans l'exposition. Entramos na exposición. Première manipulation. A primeira manipulación. Un œil sur un sarcophage qui est agrandi. Un ojo sobre un sarcófago que está aumentado. Donc, on est déjà là dans toute une logique de l'agrandissement et de la miniaturisation. Aí xa estamos inmersos nunha lógica da ampliación e da miniaturización. Non, oui, si vous voulez, si vous l'avez. Bueno, a frase quer dizer, que importancia estea na túa ollada, non na cousa que mires. Alors vous voyez, dans nos livres d'art, on consomme tous les objets réduits, souvent, plus qu'agrandis. Nos libros de arte, por exemplo, pois moitas veces consumimos os objetos reducidos, máis que ampliados. Les archéologues, les numismates, ils ont la chance d'agrandir un peu. Os arqueólogos e os numismáticos teñen a sorte de ampliar un pouco. Mais d'une manière générale, on réduit. Pero, en xeral, reducimos. Donc, nous avons une logique de la miniaturisation, quelque part, dans le cerveau. Así que, en alguna parte do cerebro, temos unha lógica de miniaturización. Alors voilà, on montrait les choses comme ça. Si amosábamos as cousas así. Attendez, je recule. Voyez? Aquí poden ver. Alors le public qui voyait des boîtes de tomates. O público que via latas de tomate. Poulet en plastique. De nain de jardin. Un anano de jardín, conservas de polo. C'est comme chez nous ici. Dicían isto é como o que temos na casa. C'est plus un musée et la discussion a commencé là. Isto xa non é un museo e aí foi onde empezou a discusión, o debate. Alors voilà la miniaturisation. Vemos aí a miniaturización. Des objets, des touaregs. Les touaregs aussi font des petites tentes, des petits campements, des petits chameaux, des petits trucs. Dos objetos dos touaregs que tamén fan miniaturización, fan tendiñas, fan camelos pequenos, fan pequenos campamentos. Les objets, les choses. Os objetos, as cousas. Qu'est-ce que c'est? La géologie, la botanique. A xeoloxía, a botánica, que é todo iso? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ça, c'est toujours la miniaturisation. E unha vez máis, volvemos á miniaturización. On peut cadrer aussi. Le cadrage, c'est quelque chose d'important. Podemos encadrar tamén, o encadramento é algo importante. Alors j'avais été chercher un tableau de Léopold Robert chez mes collègues au musée d'art et d'histoire. Fui buscar un cadro de Léopold Robert, o museo dos meus colegas, o museo de arte e historia dos meus colegas. Je prenais des morceaux pour faire des emballages de produits. E puxen, bueno, fragmentos para facer estas embalaxes, este produto. Ensuite, voilà les objets, n'est-ce pas, qui reviennent au musée d'ethnographie. Alors, vous voyez, on prend la poulie, mais on laisse toute la structure sur place. Et si vemos os objetos que chegan ao museo de etnología, vemos aquí os objetos postos, pero deixamos todo o demais, tamén o embalaje, todo o que non quedou. Ça, c'était des images pour montrer comment vivaient les boshimans. Estas son imaxes para mostrar como vivían os boshimanos. Et ici, les objets qui nous font tous. E aquí os objetos que nos facemos. Alors, j'avais rencontré un marchand à Neuchâtel qui vendait des éléphants comme des uniques. Eu atopei un mercader, un comerciante en Neuchâtel que vendía elefantes como se fosen pezas únicas. Un éléphant par jour dans la vitrine. Un elefante o día tiña no escaparate. Alors, on a discuté. E logo, bueno, discutimos sobre isto. Allez, il faut montrer ça maintenant. Alors, il a prêté la caisse qui était faite en Inde. Eu dixen, bueno, isto hai que amosalo tamén. Falei con el, bueno, entón decidimos expoñer a caixa na que estaban todos os elefantes, feita na India, por certo. Mais voyez l'importance de l'objet unique. Ça dure encore dans nos têtes. C'est un unique. C'est un original.
pero vemos como perdura na nosa mente a importancia do objeto único, é algo único, é un original. Alors on peut réfléchir sur la copie et puis bien sûr sur l'effet. E poderíamos reflexionar sobre a copia e sobre os objetos falsos, por suposto. Hola, j'ai fait une erreur. Attendez, là, voilà, ça revient. Il faut m'aider, madame. Merci. Si me pouvez aider. Excuse-moi. Je suis pressé, je sais où. C'est le premier. Ah, ici, oui. D'accord, excusez-moi. Voilà, merci. Bon, Coca-Cola, c'est une vieille affaire. Coca-Cola, c'est bon, elle a eu beaucoup de temps. Les déchets, l'emballage, n'est-ce pas, la magie de l'emballage. Les refugiados, la magia de l'emballage. Avec les déchets ici recyclés. Les refugiados recyclados, también. Les déchets encore. Un autre mais, les refugiados. Tout peut servir. Todo puede servir. C'est le structuralisme, ça, c'est Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Esto es el structuralismo, el bricolaje. La pensée sauvage. El pensamiento salvaje. Et puis des objets stupides qu'on achète dans les magasins, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Luego objetos estúpidos que marcamos en las tiendas, que no sabemos muy bien para qué sirven. Et puis j'avais fait un espace sur les paysans. Et luego fiché un espacio sobre los campesinos. Sobre... En 80, c'était la nostalgie, le romantisme paysan. En 1980, eso era, bueno, la morriña, la nostalgia, do campo, el romanticismo. Alors j'avais fait un décor un peu kitsch. Entonces fiché un decorado un poco kitsch. Pour dire que c'est stupide. Para decir que era algo parvo, que era algo estúpido. Mais c'est complètement raté. Pero non funcionou para nada. Le public disait, ça c'est beau. A xente dicía, iso é bonito. C'est comme chez nous. É como na casa, o museo como que temos na casa. Error. É un erro. De discurso, n'est-ce pas? Un erro de discurso. Je represse faux, mon Dieu. De discurso. Excusez-moi, madame. Disculpe. Est-ce que je vais là? Non, si vous prenez dans n'importe quelle image. Ah, ça va. Excusez-moi, je suis distrait. Et voilà l'objet qui est important, n'est-ce pas? C'est la vitrine. E logo o objeto importante, o que temos aí, é o que está na vitrina. Alors, nous avons mis aussi beaucoup de temps à comprendre que nous avions des a priori. E tamén botamos moito tempo, levou-nos moito tempo a comprender que tiñamos conceptos a priorísticos. Les objets précieux, on les mettait dans des vitrines. Os objetos preciosos metíamos-los en vitrines. Et puis les moins précieux, comme ça. E os menos valiosos, pois así, o aire. Por la construcción do discurso, é nul. Para a construcción do discurso, iso é algo que non vale para nada. É todos o mesmo tratamento. Todos o mesmo tratamento. Ou alors, isso significa algo. Ou senón, iso deve significar algo. Voilà des objets, des copies. Objetos, copias. La vitrine, vous voyez, c'est monumental, ça. Il y a la vitrine qui est monumentale. C'est rituel dans les musées. Algo ritual, nos museos. La vitrine, avec un bon designer, une bonne protection pour le vol et les attaques. Una vitrina con un buen diseño, una buena protección para contra robos y contra ataques. Le kitsch. O kitsch. C'était, je ne sais plus qui a dit, le kitsch. C'est le mauvais goût des autres. Non sei quen dixo que o kitsch era o mal gusto dos demais. Et c'est vrai. É certo. C'est difficile d'assumer son kitsch. É difícil assumir o kitsch de un mesmo.
voilà, des objets de tout genre qu'on essayait de présenter pour montrer comment on transforme la réalité, comment on manipule. Objetos de todo tipo que intentábamos presentar para, bueno, mostrar cómo transformábamos la realidad y cómo manipulábamos. Oye, los coleccionistas clásicos que a la fin de un diner meten leur masque. Los coleccionistas clásicos que cuando remata fea pues ponen las máscaras. Un estilo que. Y eso, c'était quelque chose d'absurde. Y esto es algo absurdo. Je voulais montrer que finalement le conservateur a du pouvoir. Queríamos mostrar que en última instancia el conservador tiene poder. Alors, j'avais de nouveau été chercher une toile originale. Hein? Así que fuimos buscar un lienzo original. Voilà, proposé en planche à repasser. Y ponerlo como si fuese una plancha para pasar el ferro. C'est absurde. Es algo absurdo. Mais le public comprend ce que c'est qu'un acte d'autorité. Pero el público entiende que es un acto de autoridad. Et ça, je suis très sensible à ça. Dans toute l'histoire du musée que j'ai parcouru, ce pouvoir d'imposer aux autres. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible dans toute l'histoire des musées. La culture, l'établissement, l'histoire, la renommée, les stéréotypes, et tout y va, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes le maître là au milieu. O poder de imponer aos demais todo iso. Un é o amo, non? Pode imponer culturas, estereotipos, os modelos. Des faux, des vrais, ça c'est tout des objets faux. Todos son verdadeiros ou falsos, bueno, todos son objetos falsos. Et puis, des objets que l'on fabrique comme des magiciens. E objetos que fabricamos como se fósemos magos. Pour faire croire que para, bueno, transmitir una impresión, para hacer creer algo. Alors ça a été notre premier exercice il y a 30 ans. Ese fue nuestro primer ejercicio hay 30 años. Je crois qu'on arrive un peu au bout. J'ai encore quelques images, mais c'est trop. Quedan unas imágenes, no sé si estamos. C'est peut-être compliqué, hein. Se quedará complicado. 5 minutes. Oui, je vous montre encore 5 images, mais je ne veux pas abuser de vous. Voy a mostrar otras si imágenes, pero no quiero abusar. Yo presulo, ¿eh? Se puede venir a ayudarme, lamento una vez más. 5 minutos. 5 minutinhos. Alors, je vais vous me mettre. Non, celui-ci. Oui, ça serait. Je vous donne le principe et je vous montre quelques images. Voy a ayudar al principio y mostrarles algunas imágenes. En 2000, nous avons décidé, 3 musées, de faire la même exposition intitulée La Grande Illusion. En el año 2000, 3 museos decidimos hacer la misma exposición titulada La Grande Illusion. Nous avons travaillé sur l'économie, les cours de la bourse qui s'effondrent, les mésaventures des uns et des autres. Trabajamos sobre a economía, a bolsa, o mercado de valores que caía, as desventuras de uns e de outros. E je me suis rendu compte que c'était tout faux. E decateime de que todo era falso. Nous avons choisi un poème d'Arthur Rimbaud. E eliximos un poema de Arthur Rimbaud. Qui s'intitule Après le déluge. Que se titula Após o diluvio. Después del diluvio. Et nous avons fait l'exposition en suivant terme à terme le texte du poème. Et fixons l'exposition seguindo termo a termo le texte du poème. La seule image qui sort du contexte, c'est celle-ci. La única image que sale del contexto es esta de aquí. Pour dire qu'après toutes les révolutions, le système recommence comme avant, avec quelques changements, et puis finalement ça s'essouffle, et puis il faut recommencer encore une fois.
Faut toujours un déluge. Para decir que después de toda esa revolución, su sistema recomienza, vuelve a empezar, todo va acougando, apusando, y después hay que volver a empezar otra vez, que todo es un Alors, diluvio. Una exposición como celle-ci, aujourd'hui, elle prend tout son sens en Tunisie, en Égypte y dans bien d'autres lieux. Una exposición como esta, a día de hoy, adquiere todo su sentido en países como Túnez, Egipto u otros más. Alors je vous montre une ou deux images. Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise. Mostrarei una o dos imágenes. En cuanto acougou ou sentou, mais bem, a idea do diluvio. C'est difficile d'asseoir le déluge en muséologie. É difícil fazer sentar um dilúvio na museologia. Un lièvre qui s'arrête, vous voyez, pour dire sa prière. Uma lebre que se detivo para fazer uma pregária. Et puis encore quelques souvenirs, les pierres précieuses, les fleurs. Alguns recordos, as pedras preciosas, as flores. Et puis la vie économique recommence. Les étals, dit Rimbaud, dans la grande rue, les étals se dressèrent. Et logo a vida económica que recomeza. Como di Rimbaud, na grande rúa, os postos do mercado se volveron a erguer. Vous montre une image que j'aime beaucoup. Les castors bâtirent. Une image que me gusta moito, os castores construen. Alors, on met des castors, n'est-ce pas, qui construisent. Alors là, avec des images de Berlin derrière. Après la révolution, après un changement, on se remet à construire, etc. Et ponemos detrás, os castores construen, e ponemos detrás imaxes de Berlín, después de la revolución, que nos ponemos a construir. Les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Os mazagrans, un tipo de copa, pois fumeaban nos cafés. Alors c'est les Turcs. Bueno, esos eran os turcos. Tecnologie qui s'en va, hein? Et ce que j'aime beaucoup, voyez, c'est ça. A tecnología que parte, algo que me gusta moito é isto. Madame établit un piano dans les Alpes. Como di Rimbaud, a señora instalou un piano nos Alpes. Et c'est le tourisme. Ven o turismo. Qui démarre. Que empeza o turismo. Voyez, les caravanes partirent. As caravanas partiron. E puis, il y a des choses bizarres qui se passent. Logo hai cousas raras que pasan. E on nous annonce que c'est le printemps. E se nos anuncia que é a primavera. Mais c'est un mauvais printemps. Pero é unha mala primavera. Tout le décor kitsch qu'on a fait là. Dei o decorado kitsch que puxemos. Il faut refaire le déluge pour commencer la révolution, la guerre, etc. Hay que volver a hacer el diluvio, recomenzar la revolución. Mais la sorcière ne voudra jamais vous raconter ce qu'elle sait que nous ignorons. Pero a feiticeira nunca quererá contarnos o que ela sabe que nos ignoramos, como dice Rimbaud. Donc, je m'arrête là. Vous voyez qu'un poème comme celui-ci, raconté muséologiquement, le poème est compliqué. Mais le public comprenait très bien le message de cet échec, toujours qu'il faut digérer et toujours continuer pour avoir une meilleure situation, meilleur développement, etc. On ne peut pas s'arrêter et figer le tout. Et c'est vraiment l'actualité d'aujourd'hui, quelque part, 10 ans après. Bueno, isto na museoloxía é complicado de dicir, transmitir un poema complicado, pero o público entendía moi ben que era, bueno, o que quería dicir era que sempre se remata no fracaso, pero hai que dixerilo, volver a empezar, volver a continuar para arrancar de novo e comenzar o desenvolvemento e seguir avanzando. Alors, je crois, c'est le souhait et le conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui se lancent dans la muséologie, la direction de musée, pour le patrimoine et tout. Et creo que iso é, bueno, o consello que podo dar a todos aqueles que están empezando, que se lanzan na dirección do museo, do patrimonio. Réfléchissez et demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Reflexionen e pregúntense por que fan o que fan. Et vous serez sans doute les meilleurs. E sen dúbida serán os mellores. Merci de votre attention. Muchas gracias. Bon.
Bueno, pues con esta chamada a reflexión, que de alguna manera conecta también coa chamada a reflexión que también facía Antón Bamonde na súa ponencia, pois agradecemos ao profesor Henar a súa brillante exposición e dámonos exactamente 25 minutos para en media hora comenzar o debate cos dous ponentes e nestes 25 minutos aconsello vos que reflexionedes sobre o que se acaba de decir para intervir no debate. Grazas. Por favor. Bueno. Damos comezo a segunda ponencia da sesión matutina, da sesión de mañá, e contamos hoxe unha figura ben coñecida por todos os presentes, coido, o profesor Jacques Henar, que, digamos, marcou os últimos 30 anos en Europa un fito fundamental na non só na configuración e na teorización do propio museo, sino no desenvolvemento das prácticas museolóxicas e fundamentalmente museográficas que desenvolveu a través de iso que foi etiquetado como museoloxía da ruptura. De alguna maneira, eu decía ao comenzo que a intervención de Antón Bamonde e a ponencia de Antón Bamonde e a ponencia de Jacques Henar teñen un certo enlace, aínda que desde, lóxicamente, postulados, experiencias e enfoques diferentes, no sentido do cuestionamento, non somente do museo como... Eu vou fazer um dessin. Moi, j'aime faire des dessins. Et je vais vous montrer, vous donner d'abord la toile de fond, hein, le décor dans lequel je réfléchis. C'est très simple, vous verrez. Vou comezar facendo un debuxo, a min gustame moito debuxar, e voulles debuxar un pano de fondo no que se encadrará a maneira que teño de reflexionar. Alors, j'ai besoin de me poser la question des origines humaines. Bueno, zéro. C'est où, je ne sais pas. Zéro, hein, c'est le début de l'histoire des hommes, et puis aujourd'hui, on est le 25... septembre 2013. Bueno, preciso facerme a pregunta das orixes da humanidade, o cero é o inicio do home, da humanidade, perdón, e o día de hoxe, o 25 de setembro de 2013. Alors, j'ai besoin de deux dates. Preciso dúas datas, polo tanto. 1492 et 1850. Et con iso abonda. 1492, vous vous rappelez tous ce que c'est? 1492, todo mundo sabe o que é. Christophe Colomb se trompe de direction. Cristóbal Colón se trabuca de dirección. Et à top à Amérique. C'est fondamental dans l'histoire occidentale. Ámbito da comunicación, sinon do museo como lugar no que se teñen que lanzar
unhas mensaxes contrastadas, unhas verdades indiscutibles, senón que o museo pode e debe ser un lugar para o encontro, para un encontro polifónico, no sentido de que si as coleccións de moitos museos son polifónicas, como el plantexa, tamén os discursos deben serlo, deben ser polifónicos, tendo en conta que non somente deben recoller a posición do museólogo, a posición do guionista, do autor que él propugna, sino tamén a reacción, a emoción, o impacto que as exposicións producen no visitante, no usuario, no espectador. Entón, desde ese punto de vista, ese traballo coa escenografía, esa teatralización ou dramatización do museo, partindo da reflexión de que nesa experiencia sociodramática ou teatral que se produce na exposición e no contacto co público, é onde se poden producir, digamos, os debates, os disensos ou os asentimentos dos que falaba Antón Bamonde, pues, evidentemente ten producido na museoloxía contemporánea europea unha fonda reflexión. Entón digo que temos a fortuna de contar con Jacques Senard para que, de alguna maneira, nos, desde a súa longa perspectiva e evolución, eses 26 anos que estivo ao frente do Museo Etnográfico de Neuchâtel e eses 3 anos que estivo tamén no Museo de Genève, en Ginebra, máis o seu traballo actual que sigue, digamos, operador da masa crítica que o mundo dos museos e o mundo do patrimonio cultural proporciona, pois, evidentemente, constitúe, digamos, para nós unha tremenda sorte poderlo ter en Santiago de Compostela. Por lo tanto, xa voy a ceder a palabra pues, para que faga a súa intervención, a súa ponencia, e como na intervención anterior non haberá preguntas nin interpelacións, senón que todo o deixaremos para o debate conxunto da segunda parte da mañán, tanto co primeiro ponente como con el mesmo. Entón, agradecéndolle a súa presencia e que aceptara o convite do Consello Galego de Museos, pásolle xa a palabra ao profesor Jacques Senard para que pronuncie a súa ponencia. Merci. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous apporter le salut de la Suisse, qui, vous le savez, est un pays qui se veut neutre, mais ce ne sera pas mon cas en ce qui concerne les musées et la muséologie. Bueno, moitas grazas. Quixera transmitirles un saúdo no nome da Suiza. Bueno, saben que é un país distinto, bueno, ao noso, pero, bueno, neste caso, en canto aos museos e a museoloxía, non vai ser o meu caso, non me vou centrar no país. Alors, je vais essayer de vous parler de généralité sur les musées, bien sûr, et vous montrer comment, au cours de ma carrière, finalement, j'ai construit mon propre regard. Voulez-vous parler de généralités sur les musées et voulez-vous tratar de mostrar también como au long de ma carrière, tengo construido a minha propia ollada. Mon souci, c'est de réfléchir sur la manière dont je pense et la manière dont je parle. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faudrait que les visiteurs de musées puissent avoir en tête quand ils sortent et se poser deux questions. Pourquoi je pense comme je pense et pourquoi je dis ce que je dis. A miña preocupación é reflexionar sobre a miña maneira de pensar e de falar é o que tamén quero que teñan en mente os visitantes dos museos. Quero que cando saian do museo se fagan dúas preguntas: por que eu penso como penso e por que eu digo o que digo. Je vous conseille quand même de ne pas faire ça toute la journée.
parce que vous irez certainement finir dans une clinique psychiatrique. Mais de temps en temps, c'est nécessaire et c'est très bon. Aconsello es que no lo hagan todo el día porque si no rematarían en un psiquiátrico, pero de cuando en vez sí es positivo.